Allez, on est parti donc pour aller voir donc le manoir de Tolkiton, vu qu'on l'a enfin débloqué. Mais je sens par contre que là, je pose vraiment la question. Est-ce qu'on est sur la fin du deuxième acte et donc le début du troisième acte? Ou vraiment, est-ce qu'on est encore en train de faire pencher à la partie du milieu par contre? En gros, on est encore, je peux dire, vraiment à la moitié du jeu. Parce que normalement, je reviens dans l'histoire là, normalement, t'as un truc là où je reviens, Wallace, il arrive, elle est invitée. Non, attends. Wallace est invité par Lady Tolkiton pour. Donc, voir si ils sont protégés et tout. Sauf que, bien sûr, vu que c'est lui le lapin-garou, il fait un peu des comportements de lapin derrière son dos. Bon, allez. Étant de voir les lieux, j'en parle plus. Cela est aussi grave, Lego Solicrate, on a pour l'épisode sur Wallace et Gromit. Le mystère de lapin-garou sur PSE, pour rappel, adapté du film Épaumé. Bon, enfin, j'irais ça plutôt sur son dérivé, mais bon, c'est autre chose. Allez, on y va. Lady Tottington requests your presence at the hall. Best not to keep a lady waiting. Allons-y. Alors, on va y voir. Normalement, c'est normalement, je vais dire, la map du tout premier niveau quand tu débutes le jeu. Quand tu débutes le jeu, donc est-ce que l'environnement sera totalement le même et que du coup, pendant là, on va pouvoir, je vais dire, aussi un peu découvrir les entrevues qu'on n'a pas pu juste avant. À mon avis, j'ai envie de dire oui. Hein. Mais là, à mon avis, on va peut-être d'abord voir ce qui se passe dans la nuit et ensuite, on verra par là si c'est mieux que le jour. So, tell me. How is the quest to catch the were-rabbit? Has Antipesto delivered? Or are your veg still in mortal danger? I fear they are, Victor. The beast is still at large. Very large, according to the vicar. Oh, I am sorry. With the contest starting so soon, perhaps it's time to try traditional methods. Oh, Victor. Yes. I'm afraid. I think it is. Excellent. Now don't worry about the were-rabbit. Thanks to my extraordinary tracking skills, I know just where to find him. I mean, it. Ok, très bien. Donc à mon avis, donc on va y avoir le truc de la fête foraine qui va annoncer donc, mais je crois bien qu'on va quand même profiter de faire un petit tour. Et on arrive la nuit. Ok. Et à mon avis, le gagnant qui se trouve ici, c'est cool pour faire un petit demi-tour. Alors attends. Ah, elle est là, qu'il se trouve ici. Ok. Alors attends, laisse-moi explorer les lieux d'abord en premier lieu. Voyons voir. Non, rien du tout. Et à mon avis, si je vais par là, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va faire un truc là, genre où tu fais demi-tour? T'es avec d'ennemis! Manquez plus que ça. Embuscade, littéralement. Alors déjà, hop. Bon, toi t'es relou. Des vagues d'ennemis, hein, comme si ça suffisait pas. Bon, allez hop. Oh! Oups. Attends, hop. C'est bon. C'est bon? Je peux souffler là? Direct, on commence, on se fait agresser. Non, mais attends seulement. Est-ce que si tu vas trop loin sur la roue, ça te fait repopper? À mon avis, ça a l'air de ressembler à ça, je me trompe. Ah non, encore une embuscade. Ah, à mon avis, le portail, c'est celui qui se trouve au fond. Donc, à mon avis, s'il y a comme une limite. Hein. Ow! Mais tu gâches un peu de bestioles. Il y a encore des bestioles qui en ont encore envahi. Hein. Hop. C'est bon, je peux souffler là? Il va y en avoir une troisième ou quoi? Allez. Continuons encore. Et ok, t'as une plaque pour revenir donc au mode jour-nuit. Bon, très bien, ok. Mais là-bas, attends, laisse-moi encore regarder. Ah, et en fait, c'était lui, par exemple, le gardien qui va nous ramener. À moins que. Ok, alors à mon avis, lui, c'est plus au coup pour aller dans le centre-ville. Donc retourner à là où on habite. Mais du coup, le garde qui se représente près du manoir, c'est cool. Enfin, c'est plutôt c'est où? Attends. Ok. Oh, un ballon sorteur. Attends. Je peux monter dessus? Ou y'a que Gromit qui a le droit? Ah, si. Ok. Ok, donc très bien. Donc, Hubert peut monter sur le lapin sauteur. Enfin, sur le ballon sauteur. Mais non, c'est comme ça. Et ok, t'as un deuxième. Non, mais ça demande, par contre. Est-ce que ça peut se jouer, par contre, là, en. En comparaison, tu peux faire que seulement avec
avec bah en solo en soi. Parce que j'avoue, c'est que si tu vu que tu as en fait les deux personnages emblématiques, Wes et Gromit, pourquoi ne pas faire, je peux dire, en gros, une coupe, voilà, je cherche les mots. Tellement j'ai oublié. Enfin, tellement je suis un peu, voilà. Et ok, par contre, tu peux assommer les zombies avec le lapin sauteur. Et du coup, c'est les one shot. Marrant ça. Au moins, on peut dire que carrément, ça les U. Hein. Ça les U. Alors, attends. Non, tout est bon. Parfait. Ok. Bon, voyons voir, quand même. Attends, donc si on a fait le côté gauche, allons voir ce qu'il y a dans le côté droite. Non, là, c'est Hébert le lapin. C'est pas Wallace. Alors, voyons voir. Y a-t-il autre chose? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Des ennemis. Et hop. Assommons. On assomme les ennemis. Oups. J'ai tapé Gromit sans faire exprès. Et hop. Et à mon avis, il n'y a rien du tout. Bon. Alors non, clairement, R-A-S. R-S. Voyons voir alors. Qu'est-ce que je pourrais alors... Ou au final... Non. Bon, très bien. Allez. Je me retire du ballon sauteur. Et du coup, lui... Ok, alors, attends, tu veux dire que lui, il se retrouve dans deux endroits en même temps. Entre ici et là. Très chelou. Chelou. Est-ce que... Ah, mais attends. Faisons pause. Regardons la carte. Ok. Donc, t'as les Little Kitten. Et ok, les deux messieurs, c'est pour le centre-ville. Donc, ce qui fait que littéralement, en gros... Donc, ouais, ok. Je regarde, 48. Bon, ce sont des cartes qu'il y a. Bon, ça, c'est les trucs qu'on a bloqués, donc voilà. Ennemi, ça, c'est les trucs. Bon, ça, c'est les cartes. Ça, c'est peu les trucs. Blablabla. Et au final... au final, non, bon. Ah oui, par contre, j'en ai pensé. Faisons une sauvegarde tout de même. Tout de même. Je crois que j'en ai oublié de faire une dans l'épisode précédent. Mais du coup, on va quand même faire une sauvegarde. Et donc, du coup, on est arrivé au manoir Lady Tuckleton. Bon, attends. Qu'est-ce qu'un malin veut-il faire? Marvelous weather we're having. The grounds are being overrun by hideous beasts. Can you help us, Antipestia? Sauf que je rappelle, Madame Lady Tuckleton, que là, c'est pas Wallace, c'est Hébert le lapin. Creatures must be removed, or we can't open to the public. Oh, you are so brave. Good luck, Antipesto. Ok, bon, allez. C'est parti alors. Donc, faire le ménage. Le ménage. Le ménage. C'est parti alors, voyons voir. Et hop. C'est parti. Oui. Hop là. Et hop. Un de réglé. Un autre deuxième de réglé. Et les mouches. Et hop, voilà, c'est réglé. Et ok, il y a 40 ennemis à battre. Alors ok, donc là c'est clair, faudra faire le reménage. Voilà. Et clairement, mais c'est envahi d'ennemis, hein. Oh, ça va être le gros bordel, ça. Thank you.
Ok, à mon avis, ça doit être le niveau final. Et apparemment, tu dois le faire en 10 minutes. Ok, donc à mon avis, pour le battre là, tu dois d'abord essayer de le taper en l'étourdissant. Et ensuite, tu fais un truc comme ceci pour le semer. En gros, c'est tout ce trou sur la tête. Voyons voir. Alors lui, autant taper par derrière. Autre chose. Attends, hop. Voilà, un de réglé. Allez hop. Bon, attends. Allez. Bon, attends. Zoom, on voit, parce que là, carrément, je vois que dalle. Et en plus, on est tout petit, hein. Voilà, allez. Il y en a un qui doit se trouver dans le chapiteau, je me trompe. Il est sûrement au-dessus. Allez, hop. On a fait quand même plus de la moitié. Voilà, et donc le reste. Et hop. Non mais vraiment, pour les attaquer, tu dois faire hop, hop, tac. En gros, double saut et carré. En gros, c'est le truc de la clé à molette dans Ratchet & Clank. Bon, il n'y a plus que les 4 alors. Où ils sont ces 4 alors? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont... Balade de nous, doit faire foraine. Si les ont, on les butera. Je prends une arme sur soi pour les niquer. Bon, lui, les derniers doivent se trouver quelque part par là. Hein. Les abeilles! Attends. On est... Lui, il faudra que l'ouvrir. Allez. Dans l'ouvre pour le buter tout de suite. Hop là. Et c'est bon. C'est nettoyé. Ah, il doit en manquer encore un ennemi. Bah attends, il est où ce dernier alors? Attends, où est-ce qu'il est? Non, non. Lui, on l'a buté, c'est bon. Oh, ça j'aime pas. Ça j'aime pas quand il te reste un dernier ennemi, mais que tu sais pas où il est. Est-ce qu'il était? Il était là! Hop là. C'est bon. Parfait. Et maintenant, la fête foraine va pouvoir ouvrir, c'est ça? Ouvre-toi des portes alors. Good show. Take this as a token of my gratitude. Et une nouvelle carte? Ouais, une nouvelle carte. Alors, foire nettoyée pour la pour le concours des légumes. Et ben ça c'est fait. Ok, et donc du coup on a accès à une nouvelle ouverture, c'est ça? Je suppose que oui, à mon avis. Bon, attends quand même. Attends, je peux quand même rentrer? Non, j'ai quand même pensé à tout. Et donc, du coup, bah, à mon avis, il manque plus qu'à basculer donc au mode jour, c'est ça? Ah, non, elle est là. Elle est toujours là, donc à mon avis, tant qu'on n'a pas fini avec elle, on passera pas au mode jour. Alors, on va voir où elle se trouve. Est-ce qu'elle est dans le chapiteau? Sûrement. Sûrement, sûrement. Ah, on est de l'autre côté. Ok, bon. Alors, laisse-moi voir quand même. Laisse-moi voir quand même. Ok, un oignon avec une barrière. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voyons voir. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose?
Bah, j'avoue qu'à première vue, je vois vraiment pas trop ce qu'il pourrait y avoir comme, comme truc ou quoi à prendre ou quoi. Donc là, c'est le truc normalement de la serre. Des boutons avec un pacha secret. Bon, au moins Gromit lui s'occupe bien. Attends quand même. Non, non. À mon avis, ça je peux taper, mais c'est plus pour shooter. Voilà, et donc, si je rentre par là, c'est un truc de coquillage. Ok, c'est une embuscade. Et hop, un ennemi battu. Romain, tu peux t'occuper de lui, hein. Voilà. C'est une embuscade, ok. À moi la carte. Et donc, du coup, on a gagné. Bon, ça c'est au moins réglé, parfait. Bon, allez. Manque plus qu'à faire demi-tour et parler avec Lady Tanklington. Bon, en tout cas, je suis tellement bien rempli que carrément, je pourrais me vider sur les ennemis, hein. Je pourrais tout dégringoler. Bon, allez. Discutons avec elle. Allez, on se souvient du premier épisode. Help me. I do so enjoy strolling around my gardens to check on my vegetables. Ok, il faut qu'on joue le bodyguard, c'est ça. Et dès qu'il y a des ennemis qui passent, il faudra tout tirer. With the recent goings on, I simply haven't dared. I feel quite safe with Andy Pesto at my side. Come along now. Ok, bon. Allez, c'est parti. Oups. Oups! Et hop! Bon, dégage toi! Mais dégagez, pas de bestiole à la con! Donc il y a un nom qui s'est bouffé, alors là carrément, est-ce que c'est derrière mon dos? Pas possibilité. Tant que j'y pense. Hop, les mon cracker. Désolé. Vraiment des gnomes, hein. Voilà. Attends quand même. Et je sens qu'elle va se mettre en dessous, c'est ça? Ouais, bon, en gros, c'est carrément, je dirais, la mission bodyguard. Enfin, bodyguard. Mais surtout, comment cet oignon a pu être fait pour être mangé aussi vite, hein? Comment il était bouffé sur les épaules rapidement aussi? Tu m'expliques? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Parce que là, j'ai aucune explication particulière, hein. Qu'est-ce que c'était ce bordel, hein? Bon, allez, on recommence. Non, par contre, là, je fais une ellipse, hein. Je préfère pas tout me retaper, hein, non plus. Ah, ok, je suis revenu et je comprends en fait pourquoi l'oignon il faisait vite démonter. C'est parce que t'avais des rats qui arrêtaient pas de lui jeter des pierres dessus. Donc en fait, l'oignon il pouvait être démoli ou soit être mangé. Allez, hop, je vais mourir. Voilà, merci beaucoup. Et c'est tout. Donc en fait, c'est la dernière phase. Holy shit, mais comment il a fait pour se trouver ici, hein?
Allez, on vite sur tout le monde là. Allez, on bute tout le monde. Madame Little Kitten est tombée en embuscade. Et hop. Et c'est bon normalement. Ouais, bon, il m'a fallu un petit retry. Allez. À nous la carte. Et c'est bon. Les cubes nocturnes visités. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Et donc, est-ce que normalement, après ceci, ça s'est réglé? Attends, quand même. Oui, c'est bon. Donc, en gros, bon, plus qu'à passer donc normalement en mode jour. Et donc, c'est là, par exemple, je veux dire, normalement, t'as le truc où c'est dans le film, tu as Wallace qui est invité par Lady Drakita pour découvrir par exemple tout son monde de légumes. Mais sauf que t'as Wallace qui se comporte un peu bizarrement comme un animal. Comme un animal. Du coup, allez, on bascule en mode jour. Et allons voir pour la suite. Oui. Passer en mode jour. Ouais, bah on a fait vraiment une bonne avancée et ça s'est vraiment bien. Donc, alors. Oui, donc on a fait donc, je veux dire, les deux missions de Madame Lady Tockleton. Entre, déjà de 1, de virer toutes les sales bestioles qu'il y avait dans sa foire à légumes, pour le concours de légumes. Et normalement, t'as le truc du, bah, où elle voulait donc explorer son jardin, mais que tu avais des bestioles qui sautaient par-dessus pour aller l'attaquer. Du coup, ben... Oui, allez, on continue encore. Hein. Ok. Et là, maintenant, on est avec Wallace. Voilà, on va y voir. Ouais, c'est bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, ok. T'as Monsieur Clutch, t'as Lady Tockleton, Monsieur Bonio, ok, centre-ville, centre-ville. Madame Weber, Gulp. Ah, elle, c'est sûrement pour quelque chose. Alors, attends. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'abord ici? Y aurait-il des choses que j'aurais? Greetings. On sait, greetings. Et du coup, à mon avis, c'est quoi? Je peux rentrer à l'intérieur? À mon avis, oui. Donc alors, attends. Entrons dans la foire. Et voyons voir ce qu'il y a des choses ici. Enfin, ici, par contre, il y a des personnes qui veulent un petit coup de main. Hello, Madame Winnebago. Bah, qu'est-ce qu'elle veut alors? Ok. Hop. Ok, des lapins. Ouais, hop. Alors celui-là, comment je fais pour l'avoir? Sûrement sautant par-dessus. Hop. Ensuite, hop là. Ok. Je vois ce qu'il faudra faire. Et hop. Mais vraiment des lapins qui sont dans les visages rouges, mais... Comment je fais pour les sortir? Voilà. Hop. Hop. Hop là. Il doit sûrement rester un quelque part. Mais où est-ce qu'il est? Il était là. Allez hop. Attends. On se met bien en place. Voilà. Et ok, il y a 50 lapins. D'autres lapins. Allez hop. Amenons-les bien par là. Greetings. Bonjour. Oh my, the fate is overrun with rabbits. Can you help? Je m'en occupe, hein. Mais voyons voir. Attends, je peux vraiment monter? Attends,
Attends. Peut-être qu'il y a Gromé qui peut y aller. Non. Ok, je peux pas. Pas de toboggan. Mais montons plutôt sur le toboggan. Et hop. Hop, hop, hop. Et où se trouve la bouche? Elle se trouve ici. Alors, l'orette de lapin, où il se trouve? Mais ok, donc gros, il y a 50 lapins qui sont éparpillés ici. Et où est-ce qu'ils se trouvent alors, le reste? Des pièces. Non, ça je peux carrément pas. Et à mon avis, les caisses qui ont pas en orange, c'est des caisses que tu peux que casser avec le ballon sauteur. Donc voilà. Non. D'autres lapins, allez. Tu dis allez, hop. Voilà. Hop. Non, le lapin là. Voilà. Alors attends. Ah non, le petit lapin ici. Enfin, les lapins. Et ensuite, ils vont à l'intérieur. Hop là. Tout dans le tir et tout va bien. Attends, laisse-moi tester un truc. T'es sûr qu'on va laisser pas aller prendre le ballon sauteur? À mon avis, je pense pas. Il y a que Hébert et... Ah, si. Ok, donc, on peut avoir donc Wallace sur le ballon sauteur. Par la chance. Ça va faire bizarre, j'avoue. Attends, hop. Après, j'avoue, je mettrais ça plus entre Wallace et Hubert. Non, plus entre, je peux dire, Hébert et Gromit. Parce que eux, par contre, je peux dire, ils sont petits et ils peuvent, par contre, je peux dire, se partir le bois du ballon. Parce que là, moi, je dis, genre, Wallace, lui, il doit sûrement l'éclater quand il fait un son beaucoup trop important. Hop. Bah tiens, tant qu'on y est. Allons voir donc le reste de la suite. Il y a été des choses qu'il faudrait casser, mais à mon avis, j'ai envie de dire oui. Et hop. 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 Hop là. Ok, et pendant ce temps, faut casser 10 caisses balles. Non, faut casser 10 caisses orange avec le ballon sauteur. Ok, bah du coup, on va plutôt avancer comme ceci. C'est beaucoup plus simple que ça. Hop. Je vois une caisse par là, mais attends. Hop. Et hop. Hop. Mais bon, on est vraiment dans le truc de faire de la fête foraine, hein. Et hop. Hop. Voilà. Attends. Casse le biscuit par ici. Hop. Et à mon avis, il y a sûrement d'autres caisses que j'ai dû passer à côté. Ouais, donc vraiment, là, il faudra faire le nettoyage de la foire. Parce que c'est vraiment une foire à souci, ça. Hop. Attention, pas trop quand même. Non. Ok, je vois une caisse. Une caisse ici. Faut bien viser à côté. Hop. Ok. Tu tapes comme ceci, ça fait ça. Attends. À moi les pièces. Les délicieuses pièces. Voilà. Ok. Ouais, j'en vois un autre. Quelque chose que c'est là. Je vais passer à côté. Et voyons voir. Donc là, sinon, je fais tout le tour. Allons faire maintenant de l'intérieur. J'ai sans dû en passer quelques-unes. Alors, où est-ce qu'ils sont alors? Non. Non. Que dalle. Rien de tout. Non. Non. Alors, à mon avis, soit ils sont en fait dans les autres lieux, ou... attends quand même.
Non, ça c'est vraiment des caisses résistantes, hein. Vraiment résistantes. Non. Je pense pas qu'elles soient de l'autre côté. Ok, des lapins. Attends. Alors, essayer de diriger avec le lapin, avec le ballon sauteur, ça va être une grosse blague. Et encore un peu. Le petit dernier, c'est bon. Où se trouve le reste? Alors, soit ils sont bien planqués, soit je passe toujours à côté. Je pense pas qu'ils soient au-dessus. Tu peux sortir de par la barrière? C'est chelou ça. Ouais. Et en gros, là tu ressors depuis la barrière. Et. Attends quand même. Laisse-moi voir par là. Mais je pense pas qu'il doit y avoir mis de caisse ici. Sauf s'il est vraiment bien planqué. Mais bon, ok, on a la preuve. Donc en gros, il y a Hébert, Wallace et Gromy qui vont utiliser le ballon sauteur. Mais sinon après. Non. Mais après, si tu veux mettre ici, c'est qu'il y a forcément une raison particulière. Attends. On va plutôt mettre ça plutôt pour Gromit. À mon avis, il doit y avoir des caisses oranges qui doivent se trouver autre part. Je pense pas une seule seconde. Allez hop, on avance. Hein. En faisant des gros bonds de lapin. Hein. En même temps, là, un lapin, ça sautille. Hein. Et hop. Hop. On va dire notre ennemi, il est là. Hein. Voyons voir. Hop. Donc là, c'est là où je venais par exemple. Je veux dire, de base, on faisait un peu le tuto. Voyons voir de l'autre côté. Bon, on est que je perds le portail, mais bon. Alors, quand même. J'ai cru que c'était une traînée de pièces, mais en fait non, c'était des fleurs. Alors à mon avis, on n'a encore pas fini encore avec la fête foraine. Hein. On n'a pas fini. Je peux le garantir. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à l'intérieur? Bah je veux dire oui. Allez hop, on retourne. On retourne. Voyons voir, qu'est-ce qu'on aurait oublié? Attends, ils vont pas quand même que les lapins sont revenus. À mon avis, non. Alors, voyons voir. Ok, d'autres traînées de lapins. Bon, attends. Allez. On fait le tour avec eux. Voilà. Au moins, un truc de fait. Ça, à mon avis, j'ai dû déjà ouvrir. Mais bon, allez. On va vérifier tout de même. Ah, si, c'était déjà bien ouvert. Qu'est-ce que je pourrais... Non, ça je peux pas casser. Non, rien du tout par là. Là, il y a les tonneaux. Prends un petit biscuit, je m'en fous un peu. Et à mon avis, alors soit carrément il y a des choses que j'ai oubliées, ou soit vraiment par contre il y a des choses un peu que j'ai passé à côté. Ça c'est le truc qui était hier, ouais. Ça à mon avis je peux pas rentrer. Attends, je peux monter sur le chapiteau? Non, je glisse. Je glisse. Qu'est-ce que je pourrais... attends, voyons voir. How's it going? Ah, do you want to go into Mr. Kalish's tent? He's got everything from his shop in... c'est quoi? J'entends seulement un message? Attends quand même. Ouais, bah attends. Welcome to my shop. Please feel... Ok, on a son magasin qui est ici. D'accord. Je vois pas tout ce que je pourrais acheter d'autre là.
Y a rien qui vient, si tu veux, à l'esprit en soi. Non. Mais en gros, donc, son shop, là, lui, donc, il se trouve carrément, donc, dans la fête foraine. Ok. Non, attends. On the shelves are many items to examine and I then choose what items you buy when you want to leave the shop. Would you like me to please feel free? Bon allez. Donc là maintenant, on quitte et on retourne à la foire. À la foire. Donc, ouais, hein. Peut-être que là c'est plus son magasin, hein. Enfin que c'est plus son magasin. Mais attends. Si Monsieur Kalish, il est là, qu'est-ce qu'il veut alors? Terriblement inquiet, ok. Ah, Monsieur Kalish est là. Non, pas tout de suite. Et donc... Oui, c'est là carrément où t'as le podium pour savoir qui a d'asséné le meilleur légume. Elle veut quoi? Ouais, donc elle a vu des visions. Et lui, c'est quoi? Oh my! The fate is overrun with rabbits. Can you help? Ouais, bah je veux bien faire quelque chose, mais le truc c'est que tu veux que j'aille chercher où là après le reste des lapins? Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir balayé, sauf si j'aurais carrément oublié quelque chose, mais j'ai l'impression que non. Attends quand même. Des autres lapins. Alors attends. On va les répartir. En faisant comme... Attends. Fais bien le tour. Voilà. Et allez hop. Bon. On a 40, mais les 10 autres, j'ai aucune idée où ils sont. Aucune idée. Non, je pense pas qu'il y en a par là, ni ici. Donc au final, bon, allez. On sort de la foire. Sortons de la foire. Et, on va quand même profiter pour voir un peu ce que c'est. Mais à mon avis, je crois même que normalement... À mon avis, ce sera elle qui fera discuter. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Qu'est-ce qu'il faut ici? Ouais, c'est un petit peu gratuit pour celui-là. Bon, attends. Elle veut quoi, elle? Ok. Et j'avoue que, mais en général, le... Bon, bof. Bon, attends. Donc, du coup, on a cassé 5 caisses ballons et on a eu, par exemple, je peux dire, il nous manque 10 lapins. Alors, t'as Monsieur Kalish pour son défi, les décotes Titan, lui, il veut sûrement son défi, centre-ville. Alors, t'as Madame 2, ce qui est plus les gardiens, mais bon. Pour accéder à la finale, nettoie les 5 arènes nocturnes. Attends. Van 1. Attends, une van, ainsi que le champ de la foire, jour et nuit. Ok, donc, il faudra vraiment faire donc, le ménage, d'accord. Mais d'abord, attends. Alors, ce que je pourrais faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, et dans le prochain épisode, peut-être qu'on va faire le truc avec Madame Lady Tocliton. Mais après, ce que je te dis, que le nettoyage par exemple, de la foire en soi, par contre, il faudra bien sûr aussi s'y occuper. Mais je te dis, il faudra faire le jour comme la nuit. Donc je sens vraiment qu'il faudra faire un peu le ménage. Mais je sens que ça va être long. Très très long. Bon, allez. C'est la fin de cet épisode, donc, sur Wallace et Romite et le mystère du Lapin-Garou. Like, commente, bandage, abonne-toi, les cloches, Instagram, Twitter, TikTok. Bon, normalement, je serais là qu'on doit être quelque part sur le début de l'acte final. Troisième, puisque normalement le truc de la foire aux légumes, c'est là normalement je peux dire il y a un peu une sorte de entre guillemets révélation où t'as le lapin-garou et où par exemple je peux dire que comme j'ai vu le film, je vois comment ça va se passer. Mais bon, après, comment ça va se passer en termes du jeu, j'ai peut-être ma petite idée, mais je suis sûr que vraiment je suis normalement sur l'acte final. Après par contre le truc c'est que est-ce que je finis, est-ce que je réussirai par exemple à finir le jeu avant la fin de l'année, ce qui est grandement possible, ou est-ce que carrément, genre par exemple, c'est je finis par entre le jeu à Noël, mais que l'extra 1, ce sera pour le début d'année 2025. Tant de questions, mais si peu de réponses. Bon, allez, tchuss!